Bonjour et bienvenue au cours sur le chapitre 10 qui porte sur le plan de contrôle. C'est un chapitre d'une dizaine de pages, donc le vidéo sera relativement long. On va passer en détail l'ensemble des sections, le lire, comprendre, puis peut-être avoir un peu plus de détails euh, que ce qui est indiqué dans le manuel. Alors, on va commencer par la définition du plan de contrôle. Le plan de contrôle est un document qui va décrire de manière formelle les contrôles apportés à un processus, produit ou service ou une partie d'un processus, produit ou service. La connaissance du plan de contrôle appliqué peut être un prérequis exigé par le client. Dans notre cas, le plan de contrôle va être utilisé pour contrôler les inspections et par le fait même contrôler la qualité du produit. C'est dans ce document que les critères importants seront identifiés à l'inspecteur pour qu'il inspecte et consigne les résultats. C'est pourquoi ce document doit être simple, facile à suivre, logique et rigoureux. Le plan de contrôle, en fait, est hyper important dans une entreprise. Toutes les entreprises qui contrôlent leur processus vont avoir besoin de ce genre de documentation-là. C'est sûr, si vous travaillez dans une très petite shop où il n'y a aucune documentation, quasiment aucun employé, c'est plausible que vous ne travaillez pas avec ce genre de truc-là, mais. Si vous travaillez dans une business qui a un minimum de bon sens, c'est sûr que vous allez avoir affaire à des contrôles de qualité. Le plan de contrôle, c'est un outil vraiment commun. Comme je dis, vous allez le trouver dans toutes les entreprises. Ils vont être différents, mais le concept va rester le même parce que ça fait partie des systèmes de gestion de la qualité. Dans les cours que vous allez faire avec Alain Coursol, dans les cours de génie industriel, maîtrise assurance procédée, vous allez voir un plus en détail les systèmes de gestion de la qualité, mais c'est très, très, très relié à ça. Un plan de contrôle, en fait, ce que nous, on va faire, on va travailler avec ce qu'on appelle la roue du contrôle qualité. Voici la roue du contrôle qualité. Donc, un bon plan de contrôle va poser six questions. Qui, quoi, quand, combien, où et comment. Si l'ensemble de ces questions-là sont bien répondues, votre plan de contrôle théoriquement est bon. Euh, vous allez voir un peu plus tard, justement, dans les cours d'Alain, euh, quand vous allez faire affaire avec des normes de qualité comme ISO 9001, il faut répondre à ces questions-là. C'est exactement ça ce qu'un auditeur va vous poser. Si vous ne répondez pas à ces questions-là, ça veut dire que vous allez avoir une non-conformité de votre auditeur. Qui? ben on s'entend, c'est plutôt simple. C'est qui va faire l'opération. Le quoi semble un peu complexe. On va voir plus en détail un peu qu'est-ce que c'est. Le quand étant la fréquence. Le combien étant... Quelque chose au rapport avec l'échantillonnage. Le où n'étant pas qu'un endroit, mais une étape dans le processus. Et le comment, euh, c'est un peu euh, ce qu'on a vu à la section 9, donc les types d'inspection, les méthodes, les outils, etc. Dans les prochaines sections, on va développer un peu plus euh, chaque question pour pouvoir faire un bon plan de contrôle. On va commencer avec la question 1, qui est le qui. Le qui, première question à se poser, ça a l'air niaiseux, mais. Ça demande plus de réflexion qu'on pense. Qui doit réaliser l'inspection? Est-ce que c'est un opérateur sur la ligne de production? Exemple, euh, je fais machiner quelque chose, est-ce que c'est le machiniste qui le fait? Est-ce que c'est un inspecteur qualité quelconque? Donc, la pièce doit-elle être inspectée par quelqu'un qui est euh, du département de la qualité, un inspecteur? Est-ce que ça doit être un, in un inspecteur qualité ayant une formation spécifique? On A parlé au chapitre précédent, il y a des certifications, il y a des formations, il y a des accréditations qui fait qu'un inspecteur peut être qualifié pour des types d'inspection particulières. Si cette personne-là a besoin d'une certification pour faire l'inspection, c'est important que ça soit identifié dans le plan de contrôle. Est-ce que c'est un individu en particulier? Euh, telle personne ou telle personne, ça doit être inspecté par lui. Est-ce que ça doit être inspecté par un métrologue? Si c'est une inspection avec CMM, ben habituellement, ce pas des inspecteurs qualité quelconque, c'est des métrologues? Est-ce que ça doit être un contrôleur qualité? Est-ce que ça doit être un individu avec un titre professionnel? On parle ingénieur, un technologue professionnel, un avocat, un géologue, un architecte. Dépendamment de quelle entreprise vous travaillez, il est possible que l'inspection doit être faite avec quelqu'un qui a un titre professionnel. C'est d'ailleurs très très commun dans le domaine de la construction. Les ingénieurs doivent superviser les chantiers. Euh, si mettons travailler en mining engineering, les géologues ont besoin d'être là sur les plans, euh, sur certains plans d'excavation. Les architectes, un peu la même chose en construction. Est-ce que c'est un département particulier? Fait que le qui peut ne pas être une personne, un individu, mais vraiment un département ou un laboratoire spécialisé ou une autre entreprise sous-traitante, etc. Bref, il faut vraiment se poser la question sur qui, qui doit réaliser l'inspection. Section 10.1.1, consigner le qui. Un bon plan de contrôle, ça va identifier le qui, mais aussi laisser un espace pour consigner l'information. Ça a l'air ridicule, mais si vous laissez votre place à vos inspecteurs pour qu'ils puissent écrire, euh, ben, ils ne l'écriront pas. Par conséquent, vous allez perdre la traçabilité, puis vous allez perdre qui a inspecté. S'il y a plusieurs phases où on demande des inspections, ben, il doit y avoir plusieurs espaces. Dans l'aéro, les plans de contrôle doivent être tamponnés. Chaque employé possède un tampon unique identifié avec son numéro d'employé. Les tampons ne sont pas tous identiques ils dépendent du rôle de chaque employé. Fait, par exemple, les cercles noirs vont dire que c'est un employé de prod tandis que les tampons verts en triangle signifient que l'employé fait partie de l'équipe de l'ingénierie. Voici quatre exemples de tampons qu'on peut trouver dans l'aéronautique. Euh, on a un cercle noir avec un numéro d'employé production inspecteur qualité va avoir un carré rouge avec son numéro au centre. Superviseur demi-cercle, en rouge aussi, ingénierie, triangle vert. En aéro, c'est souvent suivi de cette méthode-là. Il euh, y a d'autres entreprises qui utilisent les tampons avec des numéros d'employés. Euh, sinon, la majorité des cas, je dirais que le qui est, est seulement écrit ou euh, consigné avec le nom de l'employé, ses initiales, son numéro. L'avantage de travailler avec euh, des tampons, c'est que ça va vite et c'est précis, puis on ne perd pas euh, de la qualité au niveau du visuel. Certains employés écrivent vraiment très mal, puis on pourrait perdre euh, l'information si c'est mal écrit. Tandis que le tampon, ben, c'est rapide, puis c'est toujours bon. Dans d'autres cas, lorsque l'inspection doit être faite ou endossée par une personne au titre professionnel, l'espace dans le plan de contrôle doit être approprié. Euh, le format de la signature du professionnel, ça dépend euh, de ce qui est recommandé par son ordre. J'ai mis deux exemples. Exemple, mettons le sceau d'un notaire ou le sceau d'un ingénieur. Ça veut dire que si vous devez faire un plan de contrôle avec une inspection avec un professionnel, vous devez considérer, laisser l'espace pour que la personne puisse euh, signer tel qu'indiqué par son ordre professionnel. Section 10.2. Quoi? Le quoi, c'est de loin la question la plus tough à répondre. Quoi? C'est quels sont les critères à inspecter Qu'est-ce qu'on inspecte C'est ça le « quoi ». C'est une question vraiment fondamentale qui est à la base du plan de contrôle. Elle permet d'identifier les critères essentiels pour assurer la fonctionnalité du produit et répondre aux besoins du client. Évidemment, répondre au « quoi », c'est bien plus facile si vous avez fait une bonne prep. Si vous avez fait une mauvaise préparation, vous n'avez pas bien fait euh, tout ce qui est indiqué, par exemple, dans le chapitre 9, euh, vous allez vraiment, vraiment vous casser le basic avec le « quoi ». Dans le cas d'une pièce qui peut avoir une incidence sur des vies humaines, l'ensemble des critères peuvent s'assurer sans cesse. C'est ce qu'on appelle une inspection intégrale. L'inspection intégrale, c'est très commun dans les pièces et composantes structurales d'un produit. Par exemple, les turbines, les trains d'atterrissage d'un avion, euh, n'importe quoi que la vie humaine entre ses mains. Certaines composantes d'un ascenseur, c'est un peu la même chose. Quand on a fait euh, l'inspection des crics usinées dans le cours de travaux, euh, s'agit l'inspection intégrale. Le but d'avoir fait un plan intégral, c'était que vous soyez conscient que c'est un genre d'inspection qui est très long et rigoureuse. Si la pièce n'a pas besoin d'une inspection intégrale qui est aussi longue et rigoureuse, on peut opter pour une autre alternative qu'on appelle l'inspection partielle. Je dirais que c'est le type d'inspection le plus commune dans l'industrie, euh, permet de diminuer le temps d'inspection tout en assurant un minimum de qualité des produits. Donc, pour la même pièce, il est possible d'avoir deux plans de contrôle différents. Et en fait, c'est même très, très commun. Et les critères d'inspection, donc le quoi, varient en fonction des pièces. Et par exemple, il est possible de faire un plan d'inspection partielle pour, mettons, les neuf premières pièces, puis la dixième aura une inspection intégrale ou partielle, mais plus complète. Et on va en parler un petit peu plus en détail dans la section 10.4 qui parle du combien. Toujours dans le quoi, comment est-ce qu'on fait pour déterminer les critères essentiels? On a dit que si on optait pour une inspection partielle, on n'inspectera pas tous les critères, mais comment je fais pour décider lesquels sont importants et lesquels qu'ils sont moins. Il y a vraiment plein de méthodes, plein de façons de faire. Euh, ça dépend des gens, ça dépend des entreprises. Moi, je vous propose une euh, série de quatre questions qui vous aident à sélectionner les critères. Pour moi, ça marche bien. Comme je dis, c'est pour vous. Euh, je vous conseille d'utiliser cette méthode-là pour faire votre projet du plan de contrôle. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Fait que la question 1, c'est est-ce que le client a un prérequis ou un requis particulier très important? Exemple, couleur, lustre, esthétisme, dimension critique, euh, quelque chose, un standard qui est requis par le client, etc. Si la réponse est oui, euh, bien évidemment, le plan, le plan de contrôle doit intégrer ce critère-là. Si la réponse est non, bien, mettez-les pas. Si la réponse est ambiguë dans le sens oui, c'est important, mais tu sais, c'est pas obligé d'être inspecté à toutes les pièces. On pourrait opter pour, quand on va faire l'échantillonnage, euh, puis avoir, mettons, un plan plus complet puis un plan moins complet, on pourrait intégrer ce critère-là dans le plus complet. Fait que, mettons, je sais pas, vous travaillez pour une compagnie euh, d'aviation, genre Korean Airlines, puis eux autres, euh, le bleu de leur jet est absolument important. Mais ils ne demandent peut-être pas nécessairement d'inspecter toutes les pièces. Peut-être que pour eux, si vous l'inspectez une fois tous les lots de peinture, fait que mettons un lot de peinture fait 25 pièces, bien, si vous évaluez une fois sur 25 pièces ou une fois à chaque lot, bien, euh, votre critère, votre prérequis va être inspecté, mais sur une base périodique. La question d'eau à se poser pour reconnaître les critères essentiels, c'est est-ce que la pièce doit respecter une norme ou un règlement quelconque qui n'a pas été approuvé dans une phase subséquente Donc, Exemple euh, Si c'est tout ce qui a rapport avec les matériaux, mais vous les avez déjà fait approuver dans les, euh, dans les phases de prototypage, etc., la réponse est non, bien Obviously, il ne fait pas partie du plan de contrôle. Mais si la pièce doit répondre à un test non destructif obligatoire, ben le critère doit faire partie du plan de contrôle. Question 3. Est-ce qu'il y a des critères qui peuvent nuire à la fonctionnalité de la pièce? C'est quand même important. Euh, si, exemple, tel critère n'est pas rencontré et que je ne suis pas capable euh, d'utiliser ma pièce, ben, par conséquent, c'est un critère vraiment critique. Par conséquent, ce critère-là devrait être inspecté sur une base régulière. La question 4, c'est est-ce qu'il y a des critères qui peuvent nuire à l'assemblage de la pièce? Un peu comme euh, la question 3, euh, s'il y a des ondes qui fait que ça marchera pas au niveau de l'assemblage, si j'inspecte pas ça, ou si je suis offset, bien, peut-être que ce critère-là va être important puis il va falloir qu'il soit mis dans le plan de contrôle. Section 10.2.1, exemple de sélection de critères essentiels pour un plan de contrôle. Oui, on, on a parlé des quatre questions essentielles, à mon avis, pour déterminer euh, les critères essentiels, mais il n'y a rien comme faire un exemple pour comprendre où est-ce qu'on s'en va. L'exemple que je vais donner, c'est sur le CRIC qu'on a fait, parce que vous avez déjà inspecté ce CRIC-là. Euh, la pièce que j'ai sélectionnée va être le bloc latéral. J'ai fait un petit euh, plan ici, une petite visométrique avec identifier le bloc latéral. Si on regarde le plan de contrôle, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Vous allez voir que c'est un plan de contrôle intégral. Il y a 15 critères et 21 mesures. Est-ce que l'ensemble des mesures et des critères étaient essentiels? Ben pour déterminer ça, on va se poser les quatre questions. Donc, question 1, est-ce que le client a un requis particulier très important? Euh, sans, bon, le, le client est en vous, euh, je vous le dis, vous n'aviez pas de prérequis euh, très important. Donc la réponse est non. Question 2. Est-ce que la pièce doit respecter une norme ou un règlement quelconque qui n'a pas été approuvé dans une phase subséquente? Si c'était un vrai cri que vous utilisiez pour vrai, euh, la réponse pourrait varier. Il faudrait vérifier les normes en rigueur, mais dans le cas que c'était juste une décoration pour votre bureau, parce que je ne pouvais pas garantir votre sécurité avec les produits que vous faisiez. Euh, comme c'est que décoratif, bien, on pourrait dire non. Donc, la pièce ne va pas respecter un règlement. Fait pas de critères associés à ça. Question 3. Est-ce qu'il y a des critères qui peuvent venir à la fonctionnalité de la pièce? Bien, absolument. Euh, L'objectif du CRIC, c'est de lever des charges. Certains critères, sinon respectés, peuvent venir à la fonctionnalité. On garde en tête la fonctionnalité, donc lever une charge. Donc, la position des trous est critique pour la fonctionnalité. Si les trous latéraux sont décalés, le bloc non conforme s'inclinera et la charge sera mal répartie sur le cric. Ça peut donc être super dangereux pour l'utilisateur. Si le trou de fileté est mal positionné, la position complète du cric sera influencée. Cela risque de faire balancer le cric d'un côté. Tout comme les trous latéraux, le trou fileté peut affecter la fonctionnalité du produit tout en induisant un risque pour l'usager. Les critères sont donc essentiels. Donc on peut dire que la position du trou, des trous, est absolument essentielle. J'ai fait cette image-là qui est quand même évocatrice. Donc, euh, la série des deux premières images du dessus, on peut voir euh, dans un cas parfait, le cas parfait étant les trous sont bien alignés. Puis, le cas euh, tout de suite à côté, donc le cas à droite, on peut voir, par exemple, si un, un des trous du bloc latéral était décalé. Qu'est-ce qui arrive? Ben, on peut voir que l'alignement des trous est vraiment pas bon. Euh, j'ai expliqué un peu, ça pourrait débalancer tout le bloc puis le cric, puis par conséquent, le cric pourrait casser ou se déplacer sur le côté. Donc, si, mettons, votre voiture était par-dessus, ben ça pourrait euh, vous tomber sur la tête, par conséquent, ça pourrait être super dangereux. L'autre euh, que j'ai faite, c'est au niveau de la position du trou fileté. C'est un petit peu la même chose. Euh, fait qu'à gauche, c'est la situation parfaite, le trou est bien aligné. Et à droite, on peut voir que j'ai déplacé l'alignement du trou pour le mettre plus haut que prévu. Qu'est-ce qui arrive? Bien, en fait, tout le cric va se déplacer vers la droite. Fait quand vous allez arriver et que vous allez visser la vis, bien, votre cric va lever tout croche. Par conséquent, même chose, et la charge risque de se déplacer et de tomber, en plus d'occasionner un bris euh, du cric très fort probablement. Question 4. Est-ce qu'il y a des critères qui peuvent venir à l'assemblage de la pièce? Bien, absolument. Le bloc latéral il est assemblé à 5 pièces quatre barres latérales et la vis centrale. Les bords eux-mêmes sont attachés à des autres éléments du cric, notamment le bloc du dessus et la base. Si le diamètre des trous latéraux n'est pas respecté, les vis ne pourront pas entrer ou le jeu sera trop grand. Si le filetage chante n'est pas conforme, la vis centrale ne pourra pas entrer ou le jeu sera trop grand. Si la largeur du bloc latéral est trop grande ou trop petite, ben l'alignement va être affecté, ce qui pourrait entraîner une usure prématurée des bords et un danger potentiel pour l'utilisateur. À l'image suivante, j'ai fait euh, le même genre de truc. À gauche, j'avais une situation, donc une vue du dessus. Euh, on voit le bloc latéral à gauche avec le bloc du dessus, avec un alignement parfait, fait que la largeur du bloc du dessus et la bloc euh, du bloc latéral sont pareils. Si on regarde euh, la largeur du bloc, si, mettons, il, est, il surpassait le bloc du dessus, qu'est-ce qui arriverait? C'est sûr que là, on ne parle pas de 2-3 millièmes de pouce, on parle de quand même... Une Différence notable, mais on peut voir justement que ça prendrait bord et puis ça risquera d'être dangereux. Même chose si le bloc était vraiment petit, bien en fait, ça ferait exactement la même chose, mais de l'autre côté. En répondant donc aux quatre questions, on a pu identifier les critères réellement essentiels du bloc latéral, c'est-à-dire la position des trous latéraux, la position du trou fileté, le diamètre des trous latéraux, le diamètre du trou fileté, puis la largeur du bloc. Le total des critères est donc passé à 10, alors qu'on en inspectait 15. C'est quand même une économie du tiers, euh, 33% d'économie, c'est quand même vraiment beaucoup. Dans un cas comme ça, il faudrait revoir le plan de contrôle pour que juste les 10 critères qui sont essentiels soient identifiés. Section 10.3 Le camp. Le camp est représenté par deux éléments dans le plan de contrôle. Premièrement, c'est important de noter la date d'inspection. Ça, c'est pas une grosse surprise. Deuxièmement, le camp représente aussi la fréquence de contrôle. Dans certains cas, on ne fait pas un plan d'échantillonnage, mais une inspection temporelle. Je dirais que c'est vraiment plus commun dans tout ce qui est calibration, entretien, maintenance, maintenance outils, maintenance machine, mais c'est plausible aussi en cas de production. Certaines compagnies travaillent sur une inspection temporelle et non euh, échantillonnable. Est-ce qu'on inspecte tous les jours? Est-ce qu'on inspecte deux fois par semaine? Une fois par semaine? Deux fois par mois? Une fois par mois? Une fois par, une fois par année? Et on peut aussi utiliser au nombre d'heures d'utilisation, ça veut dire après 100 heures d'utilisation, je vais faire une inspection. Donc, si vous n'utilisez pas le concept de plan d'échantillonnage, ben, il faut utiliser une fréquence de contrôle dite temporelle. Fait que vous pouvez donner ça au nombre d'heures d'utilisation ou du temps passé. Section 10.4, combien? Combien de pièces doit-on inspecter dans le lot produit? Toutes? Quelques-unes? Aucune en fait, inspecter toutes les pièces peut s'avérer vraiment très long et surtout très cher. Dans certains cas, c'est juste essentiel, comme dans la fabrication de pièces machinées, dans un réacteur nucléaire ou dans une turbine d'avion. Habituellement, on fait des inspections intégrales, mais aussi des inspections à tous les produits. C'est donc très important quand la vie des humains est en jeu. Si notre produit n'est pas lié à des vies humaines, est-ce que je dois tout inspecter les pièces Bien, la réponse est liée au concept d'échantillonnage. On va commencer avec une définition d'échantillon. En statistique, un échantillon est un ensemble d'individus représentatifs d'une population. C'est quand même simple dans notre cas, nous, les individus, c'est des pièces, puis la population, c'est des lots de prod. On va faire un exemple quand même funny. Euh, on va penser qu'on travaille pour la compagnie Jouets Lego. On produit des centaines de milliers de blocs par jour. On s'entend beaucoup. Euh, c'est plutôt impossible de se dire qu'on va inspecter tous les blocs, puis il y en a des centaines de milliers. Pourtant, si la brique ne marche pas, elle ne pourra pas s'assembler avec les autres. Fait que la fonctionnalité du produit est vraiment compromise, ça ne rencontre pas les codes du dessin. Voici un exemple de dessin qu'on peut avoir pour euh, Lego. Si on se fait accompagner, euh, Lego, le taux de défectuosité approximativement en 2008 est de 20 pièces pour 1 million de briques produites. Ça représente 0,002 euh, C'est absolument incroyable euh, de voir que le taux de défectuosité est aussi bas. Euh, mais comment la compagnie fait-elle pour assurer un haut standard de qualité en inspectant pas toutes les briques? Bien, elle va opter pour des moules puis de la machinerie de qualité, ça c'est sans aucun doute, mais aussi un bon programme d'inspection de pièces par échantillonnage. L'idée c'est de contrôler un échantillon qui va représenter l'entièreté du lot. Fait que, exemple, on produit 1000 briques. J'en inspecte 5 et j'accepte un taux de défectuosité de 5 Fait que chaque brique doit respecter 9 critères. Le diamètre des ronds, la hauteur des ronds, la distance au centre des deux ronds, la distance tangentielle entre les deux ronds, la hauteur de la brique, la largeur de la brique, puis la longueur de la brique. Donc, si j'inspecte cinq briques, puis qui ont chacun neuf critères, ça représente 45 mesures. Si je dis que j'accepte un taux d'effectuosité de 5 je tolère donc d'avoir deux mesures erronées sur l'ensemble des 45. Si j'ai plus que deux non-conformités, je vais refuser le lot des 1000 briques. Si j'ai moins de deux mesures non conformes, je vais accepter le lot. C'est ce que qu'on appelle un contrôle par attribut. Le problème de ce genre de contrôle-là, c'est que ce n'est pas 100% efficace parce que c'est possible que les échantillons ne représentent pas le lot. C'est possible qu'on accepte un lot qui aurait un taux de plus haut ou n'en refuser un qui aurait un taux de défectuosité plus bas. C'est plus une question de statistique. Là on se dit que les probabilités qu'on sort du euh, moyen, mettons, qui serait conforme, est quand même bas. C'est une question de statistique, mais c'est aussi une question de un hasard. Ça se peut que ceux que vous pigez soient pas représentatifs. Tout ce qui a rapport avec ça, on va plus le voir dans le cours de génie industriel et assurance qualité, mais au moins vous sachez que ça existe. Dans le cas où j'ai une production plus modérée, comme dans la majorité des entreprises en composite, est-ce qu'on travaille avec l'échantillonnage Ben absolument, c'est même souvent très très essentiel. Euh, ça peut prendre la forme illustrée comme avant, donc une inspection complète ou partielle sur un lot de x, de y pièces. L'exemple que je vais donner, disons que nous avons produit 10 pièces. Les 9 premières pièces font une inspection partielle, exemple, une inspection visuelle, puis un petit contrôle d'épaisseur avec un genre un go-no-go. -no -go. Puis la dixième pièce, elle, elle s'en va, elle prend un chemin différent, puis elle a fait un contrôle beaucoup plus complet. Cette méthode permet vraiment une qualité, un contrôle un petit peu plus accru tout en limitant le temps et les coûts liés aux inspections. Dans le fond, c'est un bon compromis. Euh, il ne semble pas avoir de termes spécifiques. En, du, en tout cas, euh, j'ai pas réussi à trouver si ça existait, même euh, Alain non plus. Donc, je peux pas mal assurer qu'il n'existe pas de termes spécial, mais on croise ce genre d'échantillonnage-là par nombreuses et nombreuses entreprises. Chaque entreprise semble nommer cette méthode-là à sa façon. Le contrôle par échantillonnage permet aussi de détecter si le processus est en train de dériver. Si on détecte que le même critère est de plus en plus souvent non conforme, on peut donc investiguer puis comprendre la cause et apporter des modifications nécessaires. C'est souvent d'ailleurs euh, des discussions qu'il y a entre le département de qualité et le département des méthodes. Donc, si, mettons, qualité flag quelque chose, ils vont en parler aux méthodes pour que qu'eux autres ils puissent faire les actions nécessaires pour corriger le problème. Habituellement, mettons, méthode corrige le problème, il va être coutume d'inspecter le critère qui dérivait sur une base un petit peu plus régulière jusqu'à temps qu'on se soit stabilisé puis qu'on puisse euh, recommencer à faire des l'échantillonnage un petit peu plus écarté. Section 10.5, le OU. Le où le » où peut être deux éléments dans le plan de contrôle. Premièrement, l'inspection doit avoir lieu dans un endroit très spécifique et il est important de l'identifier dans le plan de contrôle. Genre, je fais une inspection de couleur puis je dois être dans une salle spécifique avec un blanc spécial, avec un éclairage spécial. Et ça va être important d'indiquer dans le plan de contrôle. Mais habituellement, on travaille avec le OU pour identifier où dans le procédé est-ce qu'on doit passer à l'inspection. C'est donc pas un endroit, mais un moment. Par exemple, on pourrait procéder à l'inspection de la couleur en sortant de l'étape de peinture, après la finition ou avant l'expédition. Théoriquement, on va l'inspecter, la couleur de la peinture, mais c'est où dans le processus? C'est donc important de se poser la question dans le but d'optimiser le processus d'inspection puis de limiter les déplacements des inspecteurs et ou des pièces dans l'usine. Si vous travaillez avec des pièces qui sont gigantesques, les déplacer, ça peut être... Assez, assez long, assez fastidieux. Euh, imaginons euh, déplacer une palle d'éolienne de 45 mètres dans l'usine, ça ne se fait pas en créant un Même chose, si vous voulez euh, laisser les pièces sur place puis vous faites déplacer vos inspecteurs, euh, puis votre shop est très grande ça se peut que les inspecteurs y aillent à courir toute la journée. Vous devez réfléchir à ce genre de petites choses-là qui vont rendre la vie fa plus facile aux inspecteurs. En plus, un inspecteur, euh, ils sont souvent payés à l'heure. Le but, ce n'est pas de les payer à marcher, mais de les payer à inspecter. Si vous travaillez avec des pièces très petites, euh, plus vous les déplacez, plus il y a de chances d'y perdre. C'est déjà arrivé, puis ça arrive quand même sur une base relativement fréquente. Fait limitons les, les déplacements de tout ce qui est pièces et inspecteurs. Section 10.6, le comment. C'est la dernière question de la roue. Donc, le comment, c'est vraiment lié au quoi. Le quoi indique qu'est-ce que je dois inspecter, puis le comment me dit comment inspecter ce qui est à inspecter. Qu'est-ce qu'on parle? Les types d'inspection, les normes. Les méthodes, les procédures, les outils, les gabarits, etc. Le comment doit être bien identifié. Ça va vous économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps aux inspections si c'est clair, net et précis. Bref, si votre PrEP était bien faite puis que vous avez bien répondu au quoi, répondre au comment, ça va vraiment être facile. Vous allez connaître déjà les réponses puis vous allez être capable de vulgariser l'information, ce qui va vous faire économiser beaucoup de temps lors des inspections. Section 10.7. La formation des inspecteurs au nouveau plan de contrôle. La formation est souvent un aspect oublié ou négligé en entreprise. Les gens ont tendance à faire le document puis le lancer en prod sans s'assurer que l'employé en a pris connaissance. Ça fait vraiment toute la différence au niveau du succès ou de l'échec de l'implantation du plan de contrôle. La formation permet de lier des liens de confiance avec tes inspecteurs, s'assurer qu'ils comprennent, répondent à leurs questions, puis réviser le plan de contrôle si c'est nécessaire. Tu les inspecteurs, ils font ce métier-là tous les jours, puis souvent ils le font depuis longtemps. Leur expérience peut vraiment vous aider à bâtir un bon plan de contrôle qui sera clair, précis, efficace, puis il va surtout prendre en considération ce qu'ils t'ont dit. Euh, quand vous parlez avec vos inspecteurs, puis que vous prenez le pouls, puis vous répondez à leurs questions, puis vous assurez de comprendre ce qu'ils veulent dire, euh, il va avoir vraiment un lien plus fort, puis vos inspecteurs vont faire des, euh, des vraiment meilleures performances, puis ils vont avoir plus tendance à venir vous parler euh, s'il y a quoi que ce soit qui cloche avec soit votre plan de contrôle ou avec vos pièces. La section 10.8, c'est la routine d'inspection. Le plan de contrôle va contenir plusieurs mesures à prendre. Bon, ça, c'est sans surprise. La succession des mesures est ce qu'on va appeler la routine. Fait qu'il est important d'avoir une routine d'inspection optimale qui va limiter le déplacement de la pièce et un changement trop fréquent d'outils. On va prendre par exemple euh, le cric euh, qu'on a fait en travaux d'atelier, puis on va utiliser le bloc du dessus. Voici le plan de notre bloc. Euh, Lorsqu'on appuie notre bloc euh, de la surface sur le marbre, c'est avantageux de mesurer la position des trous 1, 2 ainsi que la hauteur. J'ai appuyé mon, mon bloc, je prends trois mesures. C'est quand même beaucoup plus efficace que les prendre de façon euh, individuelle puis de replacer à chaque fois. Donc, si on suit cette logique-là dans le plan de contrôle, ces mesures-là devraient se suivre pour éviter de la confusion de la part de l'inspecteur. En plus d'être plus efficace comme méthode, on va s'entendre, si vous êtes installé, vous faites trois mesures à la place d'en prendre une à chaque fois, euh, c'est beaucoup plus rapide. Mais le changement de position moins fréquent va limiter aussi les risques de contaminants sous la pièce puis diminue les risques d'erreur de setup. Euh, ça a l'air quand c'est un petit bloc de même, ça se manipule facilement, mais quand on travaille avec des pièces grosses euh, et imposantes, les déplacer, ça peut être très long. Fait que si, mettons, vous ne pensez pas à ça, vous, vous écrivez dans votre plan de contrôle, inspecte ça, 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 vous flipez la pièce, ça prend 20 minutes, puis après ça, tu te rends compte que, ah, tu as oublié, il va falloir que tu reflippes ta pièce, puis que tu prennes une autre mesure. Fait qu'avoir une bonne routine, c'est vraiment important. Fait qu'il faut réfléchir à comment je vais déplacer ma pièce, puis qu'est-ce que je vais mesurer pour optimiser le plus possible ma routine. Habituellement, une bonne routine, euh, elle va se développer après quelques inspections. Euh, il faut s'assurer avec les inspecteurs que la routine que vous avez faite dans votre plan de contrôle est optimale. Euh, si les inspecteurs vous flaguent que c'est pas vraiment le cas, il faudrait peut-être le changer dans le plan de contrôle. Ça a l'air niaiseux, mais ça va assurer le standard, puis une qualité des inspections. Si, mettons, en plus, euh, vous avez des nouveaux inspecteurs, ça va être beaucoup plus facile de bien les former si votre plan de contrôle y est adapté à ce que vous voulez, puis qui est optimal. Ça va aller plus vite, puis il va y avoir moins de frustration. En plus, euh, ça va être mieux si votre plan de contrôle il est vraiment adapté à ce qui est fait sur le plancher. Ça assure vraiment la qualité de l'inspection du point A au point Z.